c'était important pour Casali d'être partenaire des endroits où ça bouge. Je pense que le cercle de Giverny, c'est un endroit où, où on pense, où on fabrique des choses et après on propose au gouvernement des actions, on va dire, mesurables, quantifiables et actionnables. Alors on a la chance effectivement chez Castali d'être une boîte qui est, ce qu'on dit alors, pas en bon français, purpose native. On vient régler un problème du marché. Le marché, c'est 16 milliards de bouteilles à usage unique. Et donc Castali, depuis plus de 10 ans, on a évité 300 millions de bouteilles, dont la moitié sur les deux dernières années. Et donc effectivement, on vient régler un problème du marché avec une solution innovante. Nos fontaines microfiltrantes permettent d'embouteiller l'eau du robinet sur le lieu de consommation. Donc on supprime à la fois le contenant, la bouteille en plastique, mais aussi le transport entre la source et la consommation, on n'y pense pas. Mais finalement, entre une source italienne très connue et Giverny, c'est plusieurs mille kilomètres. Avec Castali, elle est embouteillée sur le lieu de consommation. C'est à peu près 90% d'impact carbone en moins, 100% de plastique en moins. C'est en ça, en fait, que la solution s'inscrit parfaitement dans la RSE et dans le régénératif. On essaie de faire du plaidoyer qui va bien au-delà de notre petite entreprise. Là, je viens de sortir un livre qui s'appelle « L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse ». Et je pense que c'est important de parler de la crise de l'eau. Et donc, on fait du plaidoyer sur la crise de l'eau.